Une autre belle journée qui commence et ça me fait grandement plaisir de vous partager qu'est-ce qu'il y a à surveiller pour l'info flash d'aujourd'hui. Eh bien, je commence avec la musicienne cinéaste Annick Jean qui s'est récemment associée avec un distributeur numérique qui s'appelle H264. Alors, qu'est-ce que ça rend disponible? Eh bien, ça rend disponible son premier long métrage Lost Soul, qui d'ailleurs est inspiré de son dernier album portant le même titre. Alors, on peut vraiment entendre les chansons, on peut voir une âme un peu perdue à travers ce long métrage. Et c'est maintenant disponible, comme je le mentionnais, sur deux plateformes. Alors, vous avez iTunes ou encore Apple TV pour retrouver son premier long métrage. Également ce soir, un spectacle délicieux, comment dire, un concert privé avec la chanteuse France D'Amour aura lieu ce soir sur le Facebook de Rythme 105.7 et c'est à 19h. Les tabous, le grand frisson brutal ivresse, je serai toujours au rendez-vous et la nuit sera notre adresse. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts à vous entraîner de manière assez exceptionnelle ce soir. C'est ce que vous offre Tribu et Un Déchet par jour qui se sont unis ensemble pour vous offrir un entraînement qui ressemble un peu à ce qu'on entendait parler en 2018. Je parle ici du plugging. Alors, on se rappelle, c'est de la course, on ramasse des déchets. Alors, c'est un peu le même principe, mais de la maison. Alors, ils vous invitent à vous faire une banque de déchets. Donc, ça peut être des papiers, du plastique, une vieille bouteille d'eau, des choses quand même assez propres à la maison, un sac de poubelle ou un sac de plastique qui soit assez lourd et un bac de plastique. Donc, ils vont vous faire faire des exercices avec tous ces éléments-là de la maison. C'est via leur Instagram, c'est en live et c'est à 18h ce soir. Alors, amusez-vous bien. Je vous dis bonne soirée. On se retrouve demain pour un autre Info Flash. Bye!